Plus médiéval que moyenâgeux, Notre-Dame d'Oé, près de Tours, est surtout connue pour être le seul hameau du Val-de-Loire où Jeanne d'Arc ne s'est point arrêtée. Cet oubli de la bergère Lorraine irrite Piem, qui y fait retraite parfois avec sa femme et ses enfants, pour y compter ses moutons et pour y refaire l'histoire de France et de Jeanne avec la complicité des habitants. Dans quelques instants, vous retrouverez Piem sur FR3 lors de notre magazine historique de ce 19. Piem, l'humoriste distingué, sans origine précise, est né entre deux guerres, comme beaucoup d'entre vous, mais cela l'a vivement impressionné, et tout comme la bergère Lorraine, il entend des voix. Heureusement pour nous, il est devenu un sujet régional en épousant Elisabeth, une tourangelle de Notre-Dame d'Oé. Et c'est dans ce bourg, non loin de Tours, qu'il vient entre deux dessins se refaire une bonne mine de crayon, bien sûr. Tourangeau par sa femme et meurtri par l'histoire de France, il est né entre deux guerres, faut-il encore le rappeler. Piem en rage, car Jeanne d'Arc, lors de sa chevauchée épique il y a 5 siècles et demi, est passée par tous les hameaux du Val-de-Loire, sauf par Notre-Dame d'Oé. Et cet oubli, il ne peut l'oublier, ni le lui pardonner. Grâce à la complicité des Oésiens, c'est ainsi qu'on appelle les indigènes de Notre-Dame d'Oé, il va faire, comme Dumas père, un enfant à l'histoire et à la pucelle d'Orléans. Nous vous invitons donc à le suivre dans les rues de Notre-Dame d'Oé et à travers le dédale du délire historico-bucolique qui lui est propre. Notre-Dame d'Oé effleure la zone industrielle de Tours-Nord, peu à peu enlacée par les tentacules des constructions. En dépit de tout et de Tours, Notre-Dame d'Oé a su se protéger du cancer urbain. Le village a gardé, en souvenir de Jeanne, sa pimpante fraîcheur médiévale. C'est un miracle et la bonne Lorraine n'y est sans doute pas étrangère. Les nouvelles maisons sont de véritables bijoux, des chaumières d'art dont les bâtisseurs descendent en droite ligne des compagnons des cathédrales. Écarquillez vos quinquets au long de ces ruelles tortueuses, joliment en pavé, la rue du Chapelet et sa maison du tanneur, l'échoppe du tisserand. Pas une fausse note, rien n'est altéré, c'est aussi beau que les enluminures des très riches heures du duc de Berry. Pourquoi diable Piem à Notre-Dame d'Oé ? Notre-Dame d'Oé, c'est en Touraine. La Touraine, vous le voyez, c'est le jardin de la France. C'est entre Orléans, Chinon, c'est un lieu qui est pétri d'histoire. Tous les villages d'Indre-et-Loire ont vu passer Jeanne d'Arc. Le cheval de Jeanne d'Arc a bu partout, Jeanne d'Arc a couché partout, contrairement à la légende. Eh bien, à Notre-Dame d'Oé, tout particulièrement, qui n'a pas véritablement son histoire, il y a un amour, une adoration pour Jeanne d'Arc. Et c'est ce lieu pétri d'histoire qui nous a intéressés, et c'est pour ça que nous y tenons beaucoup. Prenons l'exemple de cette plaque. Eh bien, les habitants de Notre-Dame d'Oé ont donné le nom de la place principale de leur village le 11 novembre 1918, qui correspond exactement à un demi-siècle et deux jours après la naissance de Jeanne d'Arc. C'est un pays qui a l'amour de Jeanne d'Arc, l'adoration de l'histoire de France, le terroir. Mais alors vraiment, ici, il y a cette chose fabuleuse, c'est Jeanne d'Arc. C'est pour qui ça, monsieur ? Ben, c'est pour le cheval de Jeanne d'Arc. Eh ben voilà. Jeanne d'Arc continue à être présente dans la mémoire de tous les habitants de Notre-Dame. De trouver là. Ah, monsieur Piem. Bonjour Camille. Comment allez-vous ? Ça va bien, ça va, Camille ? Ça va très bien, oui. À propos, vous connaissez Jeanne d'Arc, vous ? Ah, Jeanne d'Arc ? Oui. Je l'ai connue. Puis elle venait souvent ici nous voir. Et puis c'était une personne très simple. Elle buvait de l'eau. Et ça, faut le dire. Ah, vraiment, mais maintenant, il y a longtemps que nous ne l'avons pas vu. Bah oui, le temps passe, voilà. Camille. Hein. Malheureusement, le temps passe. Au revoir, Camille. Allez, au revoir, monsieur. En fait, vous ne savez pas ce qu'elle est devenue ? Ah non, je ne sais pas, non ? Non, je ne sais pas. Il est tellement sensible comme garçon que je préfère ne pas lui dire la vérité. Pourquoi ils sont très attachés à leur terroir ? Attendez, je vais acheter un paquet de cigarettes.
Il me faudrait un paquet de Jeanne d'Arc. Pucelle ou pas pucelle? Pucelle, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Pucelle, c'est avec filtre. Car voyez-vous, ils sont imprégnés par ces grandes pages de l'histoire de France. Ce qui donne. Parce que la France traverse une crise économique certaine. Mais les riches de son passé, tout de même. Et la raison, justement, c'est que cette richesse que je trouve particulièrement dans ce territoire de Notre-Dame-de-Haye me Jeanne, plaît infiniment. Jeanne, et c'est justement pas la raison. Le feu. Camille Brisset, Saulier. Hé, hey, Camille, vous avez une histoire avec Jeanne d'Arc, vous? Ah oui, en effet. J'ai travaillé pour elle. J'ai même une facture impayée. Travaux exécutés sur armure Jeanne d'Arc. Immatriculée à Domrémy, 850 km au compteur. Année de sortie 1420. Tôlerie, remplacement du plastron avant, dépose et repose, remise en état des gubitières, plus ponçage, réglage de la cotte de maille, vidange, graissage des genouillères, total 240 écus, 5 sols, plus CVA, et j'ai jamais été payé. Voilà. Un témoin de plus. La route de Reims, monsieur, s'il vous plaît. C'est pour le sacre? Oui, monsieur. Eh bien alors, c'est la première à gauche après l'église. Tout droit. Vous pouvez pas vous tromper. C'est ici, dans cette église, que Honegger a créé le très bel oratorio de Paul Claudel, Jeanne au bûcher. Et tous les dimanches, d'ailleurs, le peuple saint se précipite pour entendre ce très bel oratorio, tous les matins, également à 7h. Jeanne, qui m'appelle? Qui est-ce qui m'appelle? Qui est-ce qui a dit Jeanne? Domrémy, cabine 2. Contrairement à la légende, ce n'est pas à Montoire que le général de Gaulle a rencontré Jeanne d'Arc. C'est ici, sur le quai de la gare de Notre-Dame-de-Haye, il y a un certain temps. Et d'ailleurs, on a gardé, en souvenir de cette rencontre, les fameuses voies de Jeanne d'Arc. Il y a plusieurs voies qui font Paris, Chinon, Tours, la voie la plus importante. Il y a même à un certain endroit une voie de garage qui a été gardée au cas où la France aurait encore besoin d'un appel historique. En fait, on me parlait de Jeanne la Pucelle. Moi, quand j'étais petit, je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, Jeanne la Pucelle. D'ailleurs, ce n'est pas compliqué, je croyais qu'on me disait Jeanne la Ficelle. Bon, et puis alors on m'a expliqué, ce n'est pas la ficelle, on m'a dit c'est la pucelle. Alors je disais, mais c'est quoi une pucelle? Vous savez comment ça se passait de mon temps? On n'expliquait pas les choses. Voilà comment on m'expliquait les choses avec des images. Dis papa, comment ça se fait un enfant? Mais écoute, c'est très simple. Les garçons et les filles, c'est pas pareil. Un garçon a un petit oiseau. Voilà. Et le petit oiseau, ça s'appelle un robinet. Et les filles n'ont pas de robinet et n'ont pas de petit oiseau. Alors un beau jour de printemps, le petit oiseau vient tendrement poser son petit robinet sur le bord de la coupe, largement ouverte à sa tendresse. Et il en tombe, mon petit enfant, il en tombe quelques petites graines. Mais il ne faut pas que le petit oiseau vienne manger les graines, parce que la cigogne va à son tour déposer la rose dans le cœur du chou.
et cela va donner à nouveau un petit robinet qui donnera aussi un petit oiseau, et le petit oiseau fera tomber des graines dans la coupe. Le petit oiseau mange la graine ? Mais non, le petit oiseau ne mange pas les graines, puisque c'est le petit robinet qui met les graines dans la coupe, et le petit oiseau, lui, va se poser sur le cœur du chou. Oui, mais seulement voilà, il faut y mettre de la flamme. C'était hier à la chandelle, aujourd'hui Piem est au courant électrique, bien sûr. Ceci est masculin, ceci est féminin. Et bien entendu, un jour, le masculin rencontre le féminin. Voilà. Une légende très ancienne prétend que les prises de couleur sont plus fortes que les prises blanches. Erreur. D'après le rapport sur la sexualité des Français, 39% des hommes et 45% des femmes préfèrent avoir des contacts dans l'obscurité totale. Il faut constater qu'une trop grande tension sur un réseau fatigué fait parfois péter les fusibles. Aussi, pour se protéger contre ce péril, la société pratique-t-elle la répression sociale ? Certaines prises mâles sont également femelles, ce qui leur permet de recevoir d'autres prises mâles qui sont également femelles, qui reçoivent à leur tour des prises mâles femelles, même certaines prises mâles qui sont triplement femelles, qui reçoivent encore à leur tour d'autres prises mâles qui sont également des femelles, qui reçoivent encore des prises mâles qui sont également femelles, qui reçoivent encore d'autres prises mâles qui reçoivent encore d'autres prises femelles, qui reçoivent encore d'autres prises mâles qui reçoivent encore d'autres prises femelles. Enfin, ceci s'appelle de toute façon la sexualité de groupe ou un groupe d'animation. Avec rupture. Mais plus fort que l'amour, il y a l'amour bucolique. C'est pourquoi, loin des soucis de la ville, je passe des jours tranquilles. Pardon, qu'est-ce que vous dites, vous, là-haut ?